t'as eu ces trucs? Et c'est la mise au point. Aujourd'hui, je vous fais un petit truc, genre, c'est pas de la fiction. C'est une petite vidéo où je parle. Désolé pour ceux qui voulaient d'autres choses. Une autre fois. Alors aujourd'hui, je suis là pour faire une mise au point. Mise au point, c'est drôle. Je voulais vous parler de 2-3 trucs. Donc j'ai plusieurs points à aborder. On va commencer par... commencer par un début, une intro. Alors on introduit les personnages, le lieu, bon vous l'avez. Tout ça, voilà. C'est ma chambre, ma vraie chambre. Hein. Pas les, la chambre des autres que je fais en décor. Donc je m'appelle Jérémy Moreau, je suis... plus surnommé Truc. Et j'ai créé ce personnage, ce format, cette chaîne, ce projet. Je suis photographe vidéaste, j'ai fait une formation en école de cinéma. Et je vous livre maintenant un de mes projets 2018 qui s'appelle Truc Thème, que vous regardez depuis début janvier, une vidéo par semaine. Je suis un peu le couteau suisse des tournages où je sais faire plein de petits trucs comme ça, différents, comme filmer, comme scénariser, comme organiser, comme faire la bouffe, comme percher, comme fumer, comme jouer aussi, comédien un petit peu. Et voilà. Ça, c'était l'introduction sur qui suis-je. Point numéro 1. Alors, je vous invite tous du 1er au 4 mai. Tous. Du 1er au 4 mai 2018. Voilà. À Saint-Priest. Dans ma première résidence artistique. Donc, c'est-à-dire qu'une résidence artistique, ça veut pas dire que je vais habiter quelque part et que ça va être abstrait et qu'il y aura de la couleur. Non, ça va pas être ça du tout. Ça va être quelque chose d'un laboratoire pour ce qu'on appelle communément un artiste. Du coup, j'ai besoin de vous. Parce que pour faire des films, j'ai besoin de vous. Pour faire de la musique, j'ai besoin de vous. Et pour m'amuser, j'ai besoin de vous, tout simplement. Et du coup, je vous invite tous à une grande résidence artistique de 4 jours. Qui pourra ressembler à un tournage pour ceux qui le feront du début à la fin, à Saint-Priest, près de Lyon. C'est accessible en TCL pour ceux qui n'ont pas de voiture, hormis le 1er mai, qui est férié, et c'est le seul jour où nos transports en commun lyonnais ne marcheront pas. Donc on envoie des lettres d'insultes à TCL Citral, s'il vous plaît. Alors qu'est-ce qui va se passer pendant cette résidence participative? Alors le tout premier jour, on va faire une grosse journée avec où j'ai besoin de plein de figurants. J'ai écrit des sketchs où j'ai besoin où je m'amuse du fait de diriger des figurants. Donc du coup pour cet exercice et pour ce tournage là j'ai besoin de plein de gens. Donc entre 20, 40, 50, je sais peut-être plus, s'il y a plus je ferai avec plus. Donc n'hésitez pas à vous inscrire. À vous inscrire en signalant déjà votre présence sur l'événement Facebook qui s'affiche par là et sur les sorties, sur les côtés. Non, sûrement dans la description, parce que mettre des annotations, ça me pète les couilles. Du coup, ça s'appelle résidence participative à la Maison du Bonheur. Résidence participative. Donc le premier jour, jouer avec des figurants. Et le soir, on fait de la musique. Deuxième jour, je fais une initiation au montage et au cinéma DIY. C'est-à-dire comment faire des films le moins cher possible. Pareil, il faut vous inscrire pour ça. Les figurants, vous pouvez débarquer le jour même, on arrivera à vous gérer. Mais alors pour ça, il va falloir vous inscrire. Tout simplement parce que il y aura des places limitées, on peut pas faire apprendre le montage à 10 000 personnes en même temps. Donc du coup on sera plusieurs intervenants, mais on estime entre 20-25 places. Et il faut venir avec son propre matériel informatique pour le montage. Si vous pouvez venir avec de quoi filmer aussi, comme ça vous pourrez faire du tourner, monter, comme on appelle ça. Et on vous apprendra avec moi et mes acolytes à assembler des images tout simplement, à faire un peu de Photoshop, à faire de la mise en page scénario, comment faire une perche d'ingé son avec un smartphone et du scotch et un manche à balai, tout plein de conneries comme ça. Et le soir, de la musique. Le jeudi, le matin, nous écrirons un sketch. L'après-midi, nous le tournerons. Et le soir, on refera de la musique. Le vendredi, le matin, nous écrirons un sketch. L'après-midi, nous le tournerons. Et le soir, ce sera de la musique. Ce sera la sortie de résidence. Ce sera vendredi 4 mai. Et ce sera tout électro pour la musique. Donc on aura plein de machines, on aura plein d'artistes qui vont venir. Je vous invite, si vous faites de la musique aussi, à vous signaler, parce que je peux vous caser dans les programmations de ces 4 soirs. C'est à la Maison du Bonheur. Donc du coup, c'est une grande maison. Donc il y a de quoi dormir. Pour tous les gens qui veulent être là le 1er mai, je vous invite à venir le lundi soir, le lundi 30 avril, pour pouvoir dormir sur place. Il y a des yourtes, on essaiera de trouver des tentes, il y a des dortoirs. Et il y a plein de gens sympas de partout qui serviront de couettes et d'oreillers. On aura aussi un vidéoprojecteur où on projettera des films le soir.
Donc ça peut être une espèce de petite colonie de vacances pendant 4 jours, si vous n'avez pas envie de vous bouger le cul à nous aider à faire des films. Et si vous avez envie de vous bouger le cul à nous aider à faire des films, bah ce sera une superbe première expérience de tournage. Vous pouvez venir un jour ou tous les jours, comme vous voulez. Et ça va être méga fun, méga long et méga dur, donc partagez soit cette vidéo, soit l'événement Facebook, parlez-en à vos amis, et puis voilà. Tout sera à prix libre dans le sens où on fait un appel à dons pour tout ça. Un petit prix indicatif pour l'initiation, entre 10 et 20 euros pour ceux qui peuvent, 5 et 10, j'en sais rien. Et on invite tous les gens qui veulent nous rejoindre dans cette aventure à ramener un truc à manger, genre un paquet de pâtes, un paquet de sauces, un paquet de chips, un paquet de bière, tout ce que vous avez vous envie de manger en fait, ramenez-en. Un échantillon, une unité, et comme ça, ça nous évitera de faire des trop grosses courses et de dépenser trop d'argent dans quelque chose qui devrait être complètement gratuit, c'est-à-dire passer du temps ensemble et du bon temps ensemble à créer des films et de la musique. Point numéro 2. Alors, le point numéro 2, ça va, je vais vous parler de l'impro. Est-ce que je suis fou? Parce que si c'est une mise au point où il n'y a pas le point, s'il y a le point, si c'est bon. L'improvisation, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi, et pourquoi qui nous parle de ça, cette hurluberlu? Le père Ubu vous explique donc que l'improvisation est une technique de travail qui ne requiert pas de la préparation ou de temps de préparation. C'est ça qui est important, il y a peu de temps de réflexion. C'est de la spontanéité, waouh, je mâche mes mots. Donc l'improvisation, donc il n'y a pas de temps de réflexion, donc de la spontanéité, et ça peut s'appliquer à énormément de choses. C'est souvent connu dans la musique ou dans la comédie, donc les comédiens font de l'improvisation, ils n'ont pas de texte. Ils improvisent sur le moment, et la musique c'est à peu près pareil, où c'est de la communication entre les gens. Et j'en pratique en fait dans ce projet là et dans mes projets depuis longtemps. J'ai déjà travaillé plusieurs fois sans scénario pour faire des sketchs, par exemple le sketch Les Clowns avec Brendan et Fanny. Il n'y avait absolument pas de scénario, on a laissé tourner la caméra et ils parlaient et ils ont fait leur petite blague et leur scène, et après c'est le montage qui crée l'écriture vraiment, qui crée la structure, qui crée la dynamique, qui crée la dramaturgie via le cinéma. Et du coup, voilà, tous ces sketchs que je fais, je les veux dans le sens improvisé aussi en termes de production. C'est-à-dire qu'on va pas prévoir 15 jours à l'avance qu'il va y avoir un tournage ce jour-là. Qu'est-ce qu'on va tourner? Qui y aura? Quels accessoires on va tourner? Je prévois du coup toutes les deux semaines à peu près des tournages un peu comme ça, du jour au lendemain, où j'invite quelqu'un à venir, à choisir son poste, on discute des postes, on fait des écritures très rapides. Le dernier sketch, le RSA, Marion Pasquier nous a écrit un scénario le lundi, on tournait le mardi après-midi avec Victor Schlouti et Anne qui prenait le son, et j'ai monté ça pour sortir le mercredi, donc voilà, en 3 jours. C'était très improvisé, on a eu très peu de temps de travail, il y a des aspects du film du coup qu'on a moins pu travailler, on a essayé de rendre le plus efficace possible notre travail pour que ce soit drôle. Mais du coup voilà, l'impro c'est accessible à tous et on peut tous en faire entre nous quand je vous invite à venir faire des tournages. C'est sur ce principe là que je pense que tout le monde peut faire des films avec nous, avec moi, dans ce projet là. C'est très très simple de faire de l'improvisation, il suffit d'abandonner toute honte, d'avoir une idée et de l'exprimer. C'est de l'impro, et c'est génial. Genre là, si j'ai envie de dire poivron, bah je dis poivron. Point numéro 3. Et ben voilà, vous voilà dans un projet vidéo, en train de regarder un projet vidéo avec de l'image et du son. Et sachez également que je travaille la musique en ce moment, j'ai repris. J'en fais depuis très longtemps, et c'était une grande frustration pour moi de postillon. C'était une grande... grande frustration pour moi de pas ne faire de musique pendant des années. J'ai repris assidûment grâce à un ami guitariste, pianiste et virtuose, à reprendre un petit peu la guitare, j'ai repris le chant, j'ai réappris tranquillement. Et j'ai commencé à faire des petites scènes. Le 24 février 2018, j'ai fait ma première scène grâce à Jérémy, que je remercie platement, Métiscore de son nom d'artiste. On a fait un petit live, donc j'avais un micro, des machines, une guitare. Et le projet Truc-Thème a une vocation à faire de la musique en fait. Donc je n'en fais pas pour le moment énormément, moi-même. Même si je vais vous en faire un extrait. When suffer will lay on your say. When suffer will you got away. When suffer woven's on your say. Check a foe when you got his head jumps to song. Check a foe when you got his yin yon your son. Check a thick a foe when you got his head. Check a foe when I get set. Check a foe when you get yon your son.
mais j'invite toujours dans mes projets aux artistes musicaux de créer, de faire des créations originales pour les films. Ou alors, je choisis une de leurs chansons et je fais un film dessus. Je suis très en concomitance avec la musique. Du coup, j'avais envie de vous annoncer qu'il y avait des spectacles qui étaient en écriture, des spectacles musicaux, un acoustique et un électronique, du coup, avec des machines. Et c'est ça que je ferai les 4 soirs de ma résidence. Ça sera des tests pour moi, où je ferai un petit peu de scène et je vous montrerai de quoi je suis capable. Point numéro 4. Alors, le point numéro 4, ce sera l'ambition. Entre parenthèses, le futur. C'est-à-dire que moi, je suis là, je fais des vidéos, je les donne gratos et tout ça. Et ça, ça va pas changer. Ça, c'est mon ambition. J'ai construit un petit peu cette carrière sur une envie très 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 profonde de faire les choses à ma sauce. Enfant terrible, j'aime pas trop les règles. J'ai appris comment se faisait le cinéma quand j'étais en école. J'ai subi un petit peu les attouchements de cette grande famille du cinéma. Vous savez, la grande famille du cinéma, elle est plus qu'incestueuse. Et sans vouloir offenser tous les gens qui veulent y travailler, qui y ont travaillé ou qui y travaillent encore, je trouve que c'est plus une bataille d'ego qu'un travail de groupe, un travail de création de films autour d'un médium. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est juste moi je suis le meilleur. Les comédiens se la pètent, les réalisateurs sont totalitaires, les techniciens n'ont malheureusement plus rien à foutre. Et chacun est là pour tirer son billet, et il y en a peut-être 3-4 dans un projet où ils sont une cinquantaine, qui sont impliqués émotionnellement, qui sont passionnés par l'histoire, par ce qu'ils veulent raconter, et tout ça. Et ça pervertit énormément de choses. Alors il y a énormément de très bonnes entreprises qui travaillent dans le cinéma, de diffusion, des associations, des artistes, des vrais comédiens avec un vrai cœur, qui ne sont pas juste là pour faire leur show, qui sont là pour partager, offrir, recevoir aussi, pas que donner. Et voilà, j'essaie d'implanter toutes ces grandes valeurs que moi j'ai, des valeurs que je pense humanistes, dans une façon de faire le cinéma, une façon de produire, une façon d'organiser, et aussi une façon de financer. Parce que vous vous rendez pas compte à quel point on jette l'argent par les fenêtres dans le cinéma. C'est-à-dire que tout le matériel est exclusif au cinéma, c'est-à-dire qu'une caméra, voilà, par les caméras au grand public, elles sont très souvent faites spécifiquement pour faire des films. Donc les marges d'enculés que se font Canon, Nikon, Apple, Adobe, et toutes ces grandes marques qui niquent tout, et ben j'aime pas bien ça. Donc je vais vous avouer que ce n'est ni un Canon, ni un Nikon, mais un Lumix, même si c'est pas mieux. Moi je paye beaucoup moins cher la marque, et c'est un rapport, voilà. Je craque mes logiciels, ça c'est dur. Et voilà. Et donc du coup j'ai l'ambition, par rapport au point précédent, de faire de la musique également, personnellement. Donc Truc-Thème se transformera peut-être en 2019 si votre soutien est là, si l'envie est là, si l'énergie est encore là après un an de vidéos. Parce que je compte sortir quand même 52 vidéos, donc une par semaine en 2018, et peut-être sortir une chanson par semaine l'année prochaine. Donc c'est un projet bien lointain, on verra si je le laisse dans le montage. Parce que c'était un petit peu brûler les étapes que de parler de tout ça. Et sinon, j'aimerais bien faire un gros film. J'ai écrit un gros film avec mon ami Victor Schlouti. Il y a presque un... Ouais. Il y a plus d'un an de ça, on a écrit une belle structure de film qui était à la base la saison 2 de Truc, la web-série qui est sortie en 2015. La toute première série où j'apparaissais face caméra... dans la chambre et tout ça, qui était un petit peu brouillonne, mais qui m'a fait énormément avancer, qui m'a fait énormément travailler, et qui m'a fait énormément improviser. C'était très très cool cette expérience-là, je vous invite à aller le voir, donc je mettrai le lien nulle part, parce que vous vous démerdez, vous tapez truc, vous savez, vous connaissez, vous êtes sur une chaîne, vous êtes sur une page. Au pire, vous me contactez, vous me demandez les liens. Parce que, voilà, si ça vous intéresse, mes anciens projets. Du coup, voilà, on avait écrit une espèce de saison 2 qui, en fait, on avait découpé par épisode, mais marche très bien en un tenant, en fait. Ça serait du coup un long métrage. Oula, le gros mot, le mec il a pas d'argent, il a des dreads, il a des dents toutes pourries, et il parle de long métrage, et il veut pas gaspiller d'argent. Ouais, bah ouais. Du coup j'aimerais faire un film le moins cher possible, le plus cool possible, et ça sera, j'en sais rien quand, hein. Parce que ça dépend pas que des financements, ça dépend pas que de l'équipe, ça dépend d'énormément de facteurs de pouvoir organiser tout ça. Un tournage qui durerait entre 2 et 3 mois, qui inclurait au moins 50 à 100 personnes dans le projet, que ce soit à la technique ou à l'artistique.
énormément de choses qui sont déjà définies, il y a plein de choses qui vont rebouger. Mais voilà, je vous invite à du coup soutenir ce projet actuel qui est Tructel. Partagez, likez, envoyez tout, des fleurs avec le lien à tout le monde. Et une fois que cette année sera révolue, peut-être qu'on sera assez à vouloir faire ce film-là. Donc si on se rencontre, je vous le pitcherai, je vous le raconterai, je vous le résumerai pour vous donner envie. Je vais garder des choses exclusives à la vie réelle et pas tout vous donner sur internet à part les films que je crée et l'annonce de chaque projet. Et du coup voilà, on a ce film-là en ligne de mire, on regarde très très loin derrière, très très loin devant et très très loin dans le présent pour pouvoir se donner les moyens de faire ça. Et du coup je vais finir par la conclusion, le fist final. Donc, fist final, conclusion. Je vous ai parlé de quoi? Je vous ai parlé de qui j'étais. Comme ça, vous avez plus peur. Alors, on a souvent peur de l'inconnu. Donc, du coup, vous avez plus peur de l'inconnu, puisque je suis peur de l'inconnu. Je m'appelle Jérémy Moreau et je suis votre ami si vous le décidez. Si vous me respectez, mais vous me tolérez, je le ferai pareil de mon côté. Et je suis maintenant un membre de votre cerveau. Je serai le neurone gauche, là, juste à côté du jardin. Et je vous ai parlé encore de quoi? Je vous ai parlé d'une résidence. Donc, c'est-à-dire, je vous invite tous, ceux qui sont dans la région de Lyon, évidemment, ne faites pas trop de bornes pour venir. Et surtout, surtout, signalez votre présence si vous voulez venir. Je vous ai parlé d'impro, que tout le monde pouvait en faire. Je vous ai parlé de la musique, il faut du public, et j'invite les gens à chanter avec moi et à venir avec moi. Donc, et j'ai parlé de films que je ne vais pas pouvoir faire tout seul. Donc ça veut dire que j'arrive à ma conclusion. J'arrive à ma conclusion. Et ma conclusion, c'est quoi? C'est viendez dans l'aventure. Sinon, il n'y a pas de futur pour ce projet. C'est pas juste un mec qui fait des vidéos dans sa chambre ou qui essaye de vendre des projets et de faire des vues. C'est pas juste mon ego qui est en mode ah là là, je veux des likes parce que je suis célibataire et que je veux des meufs. Ça va très bien à ce niveau-là. Merci, je suis très très bien loti. Je veux juste des gens pour créer. Je sais qu'il y a plein de gens qui ont ma philosophie de création, enfin ma philosophie de vie, qui veulent pas se faire chier à être payé ou à payer pour des choses, qui veulent pas se faire chier avec des gens qui ont des égos surdimensionnés et qui effacent les autres. Je veux que voilà tout cet équilibre là qu'on a besoin pour créer, ce matériel que plein de gens aimeraient avoir, que moi je peux avoir. Il est à la location si vous avez des vrais projets. Il est en libre service pendant la résidence. Tout ce matériel, il est pas gardé, il est ah là là, ou là là, c'est à moi, non. Il n'y a pas de possession là-dedans. Donc viendez, cette page, elle est à vous, ce projet, il est à vous. Donc ramenez-vous et on en fera des encore meilleurs. Donc c'est une mise au fist, une première. Peut-être que si vous avez plein de questions, je mettrai en place quelque chose pour que je puisse y répondre. Genre une FAQouille, des trucs assez classiques comme ça. C'est très présomptueux pour moi de faire ce genre de vidéo. Je sais pas combien de gens arriveront à regarder jusqu'au bout. N'hésitez pas à signaler que vous êtes allé jusqu'au bout, même si avec les statistiques et YouTube analytiques de mes couilles, on arrive à trouver des choses. Et puis voilà. J'ai assez dit, partagez et abonnez-vous ou pas? Ouais. Eh les ouaves, bobonnez-vous. Bobonnez-vous les ouaves. Et signer la pétition contre truc de la part de ces techniciens. On va faire des grandes choses. Mais je les ferai pas tout seul, je vous préviens. S'il y a un vu à cette vidéo, je brûle l'Elysée. Pense Macron. Hein. Protège Matignon, protège Versailles, protège tout. Hein. Garde ta femme. Hein. Aimez-vous, protégez-vous. Faites des tests de dépistage. Aller un petit peu à l'école, pas trop hein, mais aller un petit peu à l'école, pas pour les diplômes, hein, pour aller fumer des pêtes et boire des bières avec vos potes entre les cours. Et puis respectez tout un chacun, regardez des films, regardez mes films, arrêtez de zoner sur les putains de réseaux sociaux, vous avez mieux que ça à faire.